Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour le troisième épisode de Rogue Legacy 2. Dans l'épisode précédent, on a pu tester la classe du mage et c'était pas terrible. Et ensuite, on a testé l'archer qui était pas trop mal parce qu'avec lui, au moins, on peut viser quand on tire, hein. C'est mieux. Donc. On a refait une partie avec un chevalier, mais on n'est pas allé très loin. On va continuer et essayer d'aller un petit peu plus loin cette fois. On avait pu acheter une amélioration de l'épée. Mais bon, ça avait pas l'air incroyable comme bonus non plus. Donc bon, en tout cas, il nous reste une pièce d'or, donc on va pas aller très loin. Ah oui! Et du coup, on est endomorphe et nostalgique. Attends. De Berly, attends, j'ai pas tout compris. Attends, parce que du coup, on a des trucs qui nous permettent de savoir un peu plus de choses. Gear, ok, on peut voir le profil. Alors, je sais pas si on peut descendre avec la souris, on dirait pas. Little Belly, Enemies Barely Move You. Ah d'accord, c'est on a moins de knockback, ok, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Ok. Bon, on va essayer de faire avec, mais ça a pas l'air très glorieux, putain. On va essayer d'utiliser le bouclier cette fois, hein. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour mes touches, mais. Je sais pas, je me vois pas. Attends, F, alors quoi? Essayer de redéfinir mes touches maintenant, mais bon, pas trop ce que je pourrais utiliser autre chose à part F. Ah, remarque Shift. Oh, mais oui, je vais mettre Shift, mais je vais carrément mettre Shift en fait. Quoi? Apparemment, la touche Shift n'est pas détectée. Cette connerie. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait là? Qu'est-ce qui me fait? Hein? Oula, je suis perdu là d'un coup. Attaque F, non mais ça va pas. Ok. Il y a vraiment un truc qui va pas avec ces touches. Hein. Cast talent. Mais je veux pas de ton chiffre. Je veux pas de ton F pourri. Ah, c'est une blague. Je sais pas. Contrôle peut-être. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Attends, peut-être parce que j'utilisais la souris. Non, même pas. Quoi? Il y a un problème ce jeu là. Ok, c'est super bizarre. Left shift, mais pourquoi il me l'a détecté maintenant? Ah, je comprends rien, bordel. Ce jeu est fou. Ce jeu est quand même taré. Ok. Bon, écoutez, si ça marche, c'est très bien. Hein. Bon, après 2 minutes passées à essayer de faire ça. Ah, mais oui, ah là, c'est mieux là. Là, je vais pouvoir activer mon bouclier tout en étant dans les airs parce que. Appuyer à la fois sur la touche droite et F, c'était pas vraiment possible en fait. Hein. Ok. Bon, on va essayer avec ça. Ça, je peux garder ce truc là. Ok, bon. Maintenant que les touches sont un peu moins dégueulasses, allons un peu plus loin. Ça va, Caron? T'as fait l'école du rire.
Non. Je suis pas vraiment fan de cette vue nostalgique, hein, mais bon. Évidemment, c'est dans cette partie-là que j'ai réussi à activer mon bouclier. Non, j'ai réussi à me protéger. Pas cette fois. Ouais, je pense qu'avec le bouclier, ça devrait nous aider un petit peu quand même. Nice. Ok. Bon, ouais, le bouclier ça change tout quand même, hein. Le bouclier ça change pas mal de choses. J'ai vraiment envie de ne plus avoir cette vue à la con. Bon, allez, on va quand même essayer de d'aller le plus loin possible. Ce truc va me faire chier. Hop là. Voilà. Il y a un coffre apparemment là-haut. Alors, ouais, je suis vraiment pas fan du bouton pour ouvrir le coffre. Le problème, c'est qu'apparemment A et E sont utilisés pour un dash que nous n'avons pas encore, il me semble. Donc bon, faudra voir ça. Oula, il est gros lui. Quoi ? Pourquoi il a tiré n'importe où ce con ? Ok, bon. Ah ouais, le bouclier. Ouais, ok. On a besoin de mana pour que le bouclier puisse être activé carrément. Putain, mais on est mort en fait. On est dans la merde là. Bon, on va être patient, hein, même si c'est pas bon fort. Allez, maintenant on lui pète la gueule. Bon, est-ce qu'on peut le tuer lui? Qu'est-ce qu'il nous fait comme attaque? Oula. Oui, il a l'air vénère quand même. Ah, on l'a eu. Bon. Bon bah, cette run se passe un petit peu mieux. Bon, j'ai toujours pas de bouclier. Ah, maintenant je dois pouvoir l'activer. Hop. C'est ça que c'est bizarre ce truc. Oula, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et évidemment, c'est quand je vois que dalle, hein, qu'il y a des trucs importants. Eh, oh non, pas du lore, non. Vous en... Enfin, ça va, c'est pas trop du lore non plus. Vous entendez un millier de murmures. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez comprendre aucun son. Enfin, aucune voix. Enfin, vous comprenez rien, quoi. Bon. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Attends, y a plein d'or, c'est trop bien. Murmure, ouais, c'est cool, mais c'est passé un truc là, je sais pas. Ah, mais il y a une porte ici. Putain, j'ai même pas lu, je crois, la porte au tout début. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, on dirait un boss. Faut vraiment que j'arrête de faire ça sans faire exprès. La salle du trône est actuellement scellée. Enfin, là. Les portes de la salle du trône sont actuellement. Quoi? The throne room doors are actually sealed. Ouais, c'est ça, les portes qui sont scellées. Fort bien. C'est complètement con de devoir utiliser la souris pour. Je suis vraiment pas fan des contrôles souris. J'essaye de trouver une alternative. Alors que je m'habitue, mais. Ouais, j'aurais pu me téléporter, mais. Tant qu'on est là, allons par ici. Attends, c'est pas une bonne idée de faire ça comme ça. Et merde. Est-ce que ça repop ces trucs? Pas du tout. Nice. Bon, bah, tant pis. RIP! Je crois qu'il faut être assez agressif avec certaines. C'est marrant, on peut bloquer les ennemis même si on est retourné, je crois. Je mets le bouclier derrière moi et enfin. Et je bloque quand même le coup qui est de l'autre côté. Bref, c'est pas mal. Ok.
Ok, bon, on a un petit peu d'or là depuis tout à l'heure, c'est pas mal. J'aimerais bien pouvoir profiter du jeu sans cette vue dégueulasse, mais non. Oula. Ah merde, j'ai cru qu'il était... Il était mort. Oh fuck. Ah non. Ils vont bientôt crever. C'est un peu vicieux, faut, ouais, faut faire gaffe à notre saut. Mais tu veux que je fasse quoi là? Pourquoi la fireball elle part dans n'importe quel sens? Là j'ai pas le choix. Hein. Je pense pas que je puisse... Saloperie. Ok. Oh putain, on est mort là. Quoi? Il y a encore en vie pour l'instant. Oh putain, qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, casse-toi. Casse-toi. Ah, sérieusement. Je suis à voir par cette saloperie de souris. Bon. Lady Jeanne a été tuée par la hache. Alors, je dirais plus une hache possédée qu'une hache de lame ou lame d'une hache, mais bon. Bon. Bah, c'était pas trop mal hein, comme première partie. Allez, on va essayer de faire un petit peu mieux que ça. Va reprendre un archer, tiens. Mais oh, non. Les contrôles n'ont aucun sens. Ranger, low health. Ouais, donc l'archer n'a pas beaucoup de vie, c'est embêtant. In high ground. Shockwave. Synesthésie. Bon, allez, on va le débloquer. On va le débloquer. Ben, et on a qu'un petit peu d'or quand même, hein, donc voyons ce que l'enchantress a à nous proposer. Pillow fort, carrément. Le fort, je sais plus comment on appelle ça, bref, de coussin. Treasure Hunter, random relique. Je démarre avec une relique aléatoire, what? Pas moins de la souris. Putain, mais qu'est-ce que. Ça a le bruit de touche. Ah ouais, mais c'est Q parce que. Oh là là, ouais, on peut pas remapper les. Ça devrait être A, mais ok. Ouais, et le jeu a vraiment du mal avec les contrôles français ou. Bon. Le clavier QWERTY, c'est pas trop leur délire. Bon, il y a peut-être un moyen de faire quelque chose dans Steam pour ça, mais bon. Alors. Start with a random relic. Je peux pas savoir ce que c'est la relique. The past was a blast. D'accord. Il est maintenant. Ah, mouvement coloré. Ah, c'est ça la synesthésie. D'accord, ok. Gear. Ah, c'est ça la relique. Quoi? Oh putain. Je me prends 200% de dégâts en plus, mais j'en fais également 200%. Bon, elle va être rapide cette run. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle veut l'enchantresse? Merci pour cette tente extravagante. Si tu veux. L'ancien K. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces dialogues? Je plaisante. La fumée. Fort bien. Attends, mais j'ai peut-être pas besoin de cliquer sur le bouton. Enfin, je suis pas sûr. Non, elle a décidé de ne plus être pauvre. Donc parlons de magie. Une tenue de qui? Quoi? Ouais, non, j'ai pas besoin de cliquer directement dessus. Les Runic Stones. À défaut des Rolling Stones, bref. Danser, capital D, for diarrhea. Quoi? Pourquoi il parle de diarrhée? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle est tarée cette meuf. D'accord, apparemment on peut utiliser la molette. C'est bon à savoir. Pastirune, apparemment on a déjà un truc. Ça coûte 500, on n'a pas assez. Ça fait quoi?
Augmente la mana, ouais, bof. Bon, allez, remarque, non, non, pas aller du tout. Il nous reste de l'or, on va pas se débarrasser de tout ça, faut pas déconner. Alors, Study Hall, après, je sais pas trop ce qui est vraiment utile. Ce truc est beaucoup trop cher. Aérodynamique. Pas sûr que ce soit vraiment utile. Quoi ? Run capacity. Ça nous permet d'avoir plus d'objets. Ah oui, ça c'est quand on peut. C'est vrai qu'il y a une histoire de poids lorsqu'on a un nombre d'objets, je sais pas quoi. Bon, on n'a pas besoin de ça. Foundry, armure. Ah oui, 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 oui. On a 0% d'armure là, donc ça peut servir, putain. Ouais. Construire des châteaux, c'est difficile. Fort bien. Je peux voir un truc genre damage up. C'est bien d'avoir de la vitalité, mais. Ah oui, cette skill est verrouillée. D'accord, ok, carrément. Bon, on va voir bien. Je peux débloquer les barbares sinon. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais, on n'a pas débloqué les barbares, effectivement. Il a un faible QI. Mais il est très agile. Enfin, c'est le guerrier le plus agile du royaume. Apparemment. Armé d'une puissante hache, les barbares sont une roue tournante de mort et de mort, bref, un truc comme ça. Est-ce que je veux switcher? Bon. Pas tout de suite. Improve strength, resin weapon damage. Ah, enfin, un damage up. Il était caché derrière le barbare. Eh ben, je vais le prendre. Bon, ça aussi c'est verrouillé. Et du coup, il nous reste 50 pièces d'or. Pas sûr qu'on puisse faire grand chose avec, hein. Ouais, hélas, ça a l'air mal parti. Bon. Eh bien, continuons. Qu'est-ce que c'est que ça? 40 pièces d'or. C'est que ce truc. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est vrai qu'on voit plus ma souris, mais le truc en bas à gauche, il y a un truc réparation, je sais pas quoi. Attends, peut-être qu'avec la Castle View, ça me permet de. J'ai loupé un truc ou. Je ne sais pas. Bon, peut-être pas attendre 3 ans. Non, c'est pas grave, je comprends rien, barrons-nous d'ici. Ah oui, nous sommes un archer, c'est vrai, j'avais déjà oublié qu'on était un archer. Bon, allez, j'ai rien compris. Démarrons une nouvelle run. Parce que la vidéo est déjà à 18 minutes. Bon, essayons d'aller un peu plus loin cette fois. Du poulet, du poulet. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, ouais, cette fois, faut penser à utiliser ma touche shift. Ok. Ma touche shift, ça me permet de faire ça. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'on a l'espèce de rune à la con, là. Donc, ouais, on fait 200 dégâts de plus. Mais si on se fait toucher, y a moyen qu'on se fasse instantanément... Et bah, elle va tuer, donc on va essayer de ne pas se faire toucher, hein. Genre du tout. Non, ça a pas l'air si simple que ça. On va être patient, hein, parce que là, ouais, si on se fait one shot. Bon. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui, par contre, ça c'est chiant avec le. La souris, on peut cliquer à côté, vu que bah ouais, je suis pas en plein écran, donc. C'est un petit peu stupide. Il a l'air de galérer à se déplacer ce perso.
Alors... Oula, ça a l'air compliqué ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est pas fait one shot apparemment. Ce qui est pas trop mal. D'accord. Ah! Débarre-toi! Casse-toi de cette salle, c'est de la merde! Je sais pas si. Ouais, non, il y avait rien plus haut apparemment, donc très bien. Ok, alors, hop. Ah bah. Putain, j'ai refait la même. J'espère pas faire une connerie avec mon jeu à cause de. Faut que j'arrête de cliquer à côté. C'est que ça va pas. Ça va pas m'aider d'être un archer ici. Faut que je m'habitue. Mais ouais, d'ailleurs, si. Bon, j'allais dire, si vous avez des suggestions par rapport aux touches à changer, n'hésitez pas à me le dire, mais le temps que. Le temps que je lise les commentaires et que vous voyez la vidéo, etc., il y a des chances que j'ai fait un milliard de vidéos entre temps, donc. Et que bah, j'ai l'intention de couvrir le jeu de manière assez complète, donc faire des vidéos plutôt souvent. Voilà. Sérieusement. Je voulais sauter, mais. Mais c'est pas possible, hein, je peux pas passer là. Oh putain, on est dans la merde là. C'est vrai que je fais beaucoup de dégâts. Je m'en prends aussi énormément. Connerie. Bon, c'était bien marrant ce truc, mais. Décidément, on va pas très loin, hein. C'est bon. Ce serait bien qu'on aille un petit peu plus loin. Allez. Bon, bon, on aura débloqué quelques trucs. Et nous avons un barbare pour le. Bah pour le. La prochaine partie. Donc. Alors, high health and damage. Putain, il a de la vie et, des dégâts. Bah, que voulez-vous de mieux? Il est brutal. Winter's Shout. Détruit les projectiles. Et freeze les ennemis. Ouh, ça peut être pas mal ça. Puritain. Un barbare puritain. Qu'est-ce que ça peut donner ça? Bon, c'est quoi les autres, juste pour voir? Un ranger. Heavy Blazer. Avec. Irrégularité émotionnelle. Qu'est-ce que ça peut donner ça? Est-ce que le perso il va se mettre à bouger tout seul? Alors. Et disattuned. Bon, on verra pas ça tout de suite parce que je prendrai le barbare. Hein. Le barbare et nous avons 237 pièces d'or. Je sais plus combien ça coûtait l'autre rune, mais je crois que c'était beaucoup plus que ça. Je sais vraiment pas ce que c'est l'histoire de réparation, mais ouais, si ça se trouve en fait c'est verrouillé, donc c'est pas très clair. Ça coûtait combien ça déjà? 500 pièces. Oh putain, ouais, c'est beaucoup trop cher. J'ai l'impression d'avoir trouvé quoi que ce soit ici, mais. Ouais, non. Il n'y a pas autre chose que la touche échappe pour à chaque fois revenir en arrière, c'est un petit peu embêtant. Alors, 237 pièces, je peux. Prendre de l'armure supplémentaire, hein, ce qui serait. Ce qui serait pas déconnant. Knowledge into violence. Bon, sinon je peux acheter des nouveaux trucs, mais. Bon, la weight pour l'instant ça me sert à rien. Bon, disons qu'augmenter les dégâts d'intelligence pour les persos à base de dégâts ça me paraît pas très utile. Allez, on va augmenter un peu l'armure. Bon, et bien sur ce, on va s'arrêter ici. Et cette fois, je ne vais pas. C'est-à-dire, je ne vais pas partir du château, mais si. Bon. Et bah, on va revenir au menu principal. Voilà. Et donc, sur ce, c'était Merlin Boss pour le 3e épisode de Rogue Legacy. Et on se retrouve, eh bien, tout de suite dans le prochain épisode. À la prochaine, tout le monde.
Voilà.